Et bonjour internotatrices et internotateurs, ici Galden pour les Jeux du Cygne et son compagnon Akatsuki. Bien le bonjour. Akatsuki et ses elfes noirs terribles qui sont en train de se prendre une pilée à cause de des hommes bêtes et de ses leurs cigores cachés. Là, moi, vous ne les voyez pas, mais sur sa vidéo à lui, vous pourrez la voir. Voilà. Et puis moi de mon côté, je fais les fesses au démon patate. Il est là et il va mourir dans d'atroces souffrances. Et voilà, on va d'ailleurs commencer par ça. Pouf. Alors, Oh, ah pour non, info, attends, c'est quoi c'est... Qu'est-ce... Mais qu'est-ce qu'il fout là? N'importe quoi. là, l'armée de l'homme bête, c'est 3 minotaures, trois unités de minotaures, 3 unités de chiens du chaos, 3 cigares, et après c'est des hommes bêtes normaux. Ouais, je vais même pas vous infliger ce combat parce que pff, franchement, ça ne présente aucun intérêt. Je vais l'éclater en bonne et due forme. C'est du temps de chargement pour rien. Donne-moi des sous, encore des sous, toujours des sous. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais oublier un peu Mazamundi pour le moment. Moi, je suis Quoique, je con. pourrais aller tuer un de ses seigneurs. Je Mais non, il va suis fuir content. si je l'attaque. Je viens de récupérer de la. Un bonus de diplomatie avec Kislev. Pas normal. C'est cool. Ah, mais Exoalt, elle est pas bien défendue. On pourrait aller raser la capitale. Ah! On est d'accord que je peux pas y aller, je suis trop loin. Comment on fait déjà pour estimer le mouvement? Bah, tu gardes ton clic droit appuyé sans le relâcher. Parce que si tu le relâches, tu as le droit de pleurer. On est d'accord que si c'est vert, je peux y aller, hein. Normalement, si c'est vert, tu peux y aller. Ah là là, est-ce qu'on attaque Exoalt? Pourquoi ne pas le faire? C'est C'est plutôt ça. comme ça qu'il faudrait poser la question. Boum! Défaite valeureuse, t'es sérieux? Ouais, ça va être le fait que t'as pas d'engin de siège. Ouais. Attends, il y a une entre... Il y a des guerriers Saurus à bouclier. Des guerriers Saurus à bouclier et lance. Des guerriers Saurus sans bouclier et des cordes de skink et il dit défaite valeureuse. Non, mais faut pas le prendre comme. Bah, on la joue. On va la faire à la main, hein. À la mano. Parce que je pense que l'ordinateur a fumé. Littéralement. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'on la prend? Ah oui, en effet, c'est. Et tu vois, il me dit défaite valeureuse. Je pense que là, il a pris des rails de coke, non? Ouais, en plus, il y en a beaucoup des skinks. Vache. Mais toi, t'as quoi? En plus, il y a toujours. On peut toujours faire le cheese avec les ombres. C'est ça. Ah, il peut invoquer un prêtre skink. Ça doit peut-être être pour ça qu'il dit qu'on va Ah perdre. bah ouais. Et la coke, c'est bon. Ah ouais, non, mais là, je sais pas ce qu'il a pris, mais c'est violent, hein. Ouais, Faut qu'il arrête. il a même pas d'unité d'élite. Mais non. Il faut qu'il arrête là, l'ordi. Je sais pas. Arrivé un moment. On va mettre les lanciers et puis les guerriers du chaos bien devant, comme ça ils vont se faire tirer dessus par les javelots des skinks. Et comme ça les démonettes et puis les sœurs du massacre, elles vont rentrer et puis elles vont défoncer tout le monde. C'est ça. Voilà. Bon, je te donne les ombres, la cavalerie et l'assassin ou tu veux pas la cavalerie? Dis-moi tout. Moi tout. On la connaît celle-là, hein. On l'a tous faite. C'est pas faux. Est-ce que j'ai intérêt à jouer la cavalerie d'une façon... Non, en fait. Mais bon, est-ce que véritablement on a besoin de faire cheese Ah bah. d'aller fufuter jusque... Alors, si, le seul avantage, c'est que ça l'oblige à...
Bah, tu peux toujours aller sur les murs et te rapprocher de moi en mode. Enfin, t'es pas obligé de faire tout le tour, tu sais. Mais tu sais, tu te mets un peu plus sur le côté, tu montes sur les murs et tu leur tires dessus depuis des positions. Ouais. Voilà, après. Bon, ensuite, c'est toi qui dis, hein, la technique. Je vais te donner les Oh, ondes parce que je sais que tu les aimes bien. y a un gros portail du Parce que. chaos. Oh, il est où le dessin? Tu vois, par exemple, tu te mets. Tu te mets là. Ah, je Ouais. sais pas où est-ce qu'il va se placer, mais tu vois un peu le genre de truc, tu sais. Oui, je vois. Ouais, Donc, pas effectivement. trop loin de moi, tu sais, tu fais Pas comme mal ça, et ça. puis voilà. Ok. Bah La si. cave. Alors, allez, si, passe-moi la cave. Je vais la planquer dans les bois. Et puis, je vais lui faire... Alors, on sait que tu es très fort pour que la cave arrive à l'heure, surtout. Oui, c'était une blague. La cave arrive à Concernant une l'heure. certaine mission. Je me souviens même plus. Tir unique pour tirer dans la porte. T'as besoin de défoncer la porte? Bah, les échelles, c'est tellement fort que j'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas nerfé un peu ce système d'échelles. Alors attends. Les madames toutes nues, s'il vous plaît. Un petit peu sur le côté. Ça te déconcentre, c'est ça? Non, mais c'est pour bien placer les unités. Ouais, c'est ce que je dis, ça te déconcentre. Elles vont se cacher dans les bois. Elles peuvent pas parce qu'elles sont trop nombreuses. Bah, tu les empiles. Regarde ce que j'ai fait avec la Avec la cavalerie. cave. Tu mets les deux unités l'une sur l'autre. Ah, mais elles peuvent même pas être cachées dans les bois. Mais si. Bien sûr que Bah si. non. J'ai pas l'icône. Bah, c'est juste que t'as pas le. C'est pas des bois assez épais. Ouais, mais là, ça fait vachement loin quand même. Ouais, bah, à mon avis, si tu les. Il faut bien les. En cherchant la bonne place, tu dois pouvoir les planquer dans Ah bah dans les bois, hein. Dans celui-là. les bois tout près, non. Il veut pas. Il me dit non. Même en les Il me dit non. réorganisant, t'avais dit Mais oui, non, mais non, c'est juste, même en faisant une ligne, il me met même pas l'œil, quoi. passe-les-moi. Passe-moi l'unité, là. Tac. Regarde là où elles sont pas dans les bois pour lui. Enfin, elles sont pas invisibles. Là, ils sont invisibles. Les amis, où? La récupère là. Ah oui, là, oui. Et tu les empiles les unes sur les autres. T'empiles les unités les unes sur les autres avec le même format. Et... Et ça fait une orgie. Pardon. C'est ça. C'est à peu près ça. C'est un petit peu débile quand même, mais. Il y a trop de monde. Elles font trop de bruit, ça y est. Ah non, Il c'est bon. y a quand même pas beaucoup de vêtements pour beaucoup de chair visible. Hein. Voilà. Alors, si ça, c'est pas ridicule. C'est assez ridicule. Alors, je tiens quand même à montrer l'image. Hein. Voilà. Et ça fait vraiment orgie, hein, pour le coup. Bon, allez, on y va. Ben, joyeux. Ah non, attends, j'ai encore mes arbalétriers à placer. Ils vont être tellement décisifs, encore une fois. Alors, comment qui s'est mis? Bah écoute. Moi, je pense que la technique est toute trouvée, hein. Voilà, et puis on va attendre que les échelles soient posées pour. C'est quoi ça? Des cordes de skink à javelot. Elles peuvent pas tirer sur les. Ah, elles pourraient tirer sur derrière. Non, limite, c'est ces tours hein, qui vont me faire le plus mal. Mais écoute, on va tirer dans les unités qui attendent à côté des tours. Hein. Moi, je dis. Ça Ouais, marchera très moi je bien. vais aller péter la porte à droite, hein, pour info. Moi, j'envoie Monseigneur péter la porte à gauche. Et Momo? Et Momo, bah, elle va faire des sorts. Parce qu'elle aime bien faire l'abîme de noirceur, par exemple.
C'est toujours très très bien. En avant! En avant, Guingamp. Et en avant, Guingamp. Et pourquoi pas l'OGC Nice d'ailleurs? Hein? Aïe! Ouh, le seigneur, il a pris cher. Ouh, oui. J'ai oublié de faire bouger mes dark shots. Ok, en fait, les balises peuvent pas tirer sur les murs. Très bien. Ah. Ça aurait été bien de le savoir. Ils peuvent pas tirer sur les murs. Oh putain, tu prends cher. Non. La vache, les guerriers du chaos, comment ils sont découpés? Bah, c'est les tours, hein. Waouh. Non, non. Quand je leur ai demandé de tirer sur les murs, elles veulent pas. Ils se déplacent. Passe les furies. Je vais les faire passer par la porte à droite aussi. Voilà. Mais sinon, elles seraient montées. Là, mes guerriers, ils étaient arrivés et ils montaient. Hein. Elles montaient. Ouais. Bah, comme tu veux. Pareil. Mais il y a personne qui peut tirer sur les murs, c'est pas possible. C'est quoi cette armée de tirs qui tire pas? Le héros, l'assassin, il dit que contre des skinks, il est en défavorable, quoi. Ah bon? N'importe quoi. Par contre, les tours qui continuent à tirer alors qu'il n'y a personne pour les contrôler, moi je trouve que c'est un peu pété du cul quand même. Hein. Waouh, comment elle m'a pris cher, Destruction comes. Morati? Bah ouais, des skinks. C'est pas des conneries, hein. C'était vraiment des skinks. Hein. Je tiens quand même à le dire. Oh, mais les tours qui continuent à tirer alors qu'il n'y a personne pour les contrôler, c'est abusé. Ça, franchement, c'est vraiment abusé. Hein. Ah, il faut que le jeu il arrête de tricher aussi, hein. Un petit peu. Ah oui, non, mais d'accord, Morati va mourir à cause des tours. Il faut peut-être que tu la recules pour de vrai. Bah ouais, mais moi je l'avais pas vu. Hein. Non, ou au contraire, que tu la fasses passer de l'autre côté. Bah, il y a tes tireurs, hein. Bah voilà. Super. Ah, la vache. Ok, bon, on va perdre à cause des tours automatiques qui continuent à tirer alors qu'il n'y a personne pour les contrôler, quoi. Bon, bref. Arrivé un moment, bon. Faut arrêter de me prendre pour un con aussi, hein. Ah non, mais l'assassin est en train de mourir. J'ai vu que... Mais bon, il y a du soutien qui arrive. Il y a du soutien-gorge. Pourquoi mes arbres... Attends, les guerriers du chaos fuient alors qu'il n'y a personne pour les taper? Hein? Ok. Bien. Ok. Ça a l'air d'être un peu... C'est pas moi là, hein. Ben, j'ai envie de dire, arrivé un moment. Attends, les skinks gagnent contre deux unités d'affreulance. Hein. Ah. Il se passe quoi là? Le jeu il a mis un cheat code? je sais pas là, je comprends pas. Il a activé le mode god. Ouais, non mais je crois là. Parce que bon. Entre Morati qui se fait. Enfin, qui elle prend un tir, elle perd un tiers de sa vie, c'est bon quoi. Il y a un moment, il faut arrêter les conneries aussi. Ah bah là, mes balistes, elles peuvent tirer sur les murs maintenant. D'accord. Avant, elles pouvaient pas, maintenant elles peuvent. Et j'ai mes guerriers du chaos qui sont en fuite, qui restent dans le corps à corps. Et ça, je trouve ça génial aussi. Il y a des trucs que j'aurais jamais vus, je les ai vus aujourd'hui. Les guerriers se rassemblent. Ouais. Bah ils vont vite repartir, hein, parce que les tours, elles tirent toutes seules. Là. Tellement pété. Ah, t'as toujours pas cassé la porte? Mais si. Bien sûr que si.
Mais non, mais mon héros, d'accord. Ah, alors mon héros ne pouvait pas avancer alors que la porte était ouverte. D'accord. Il me mettait clairement la croix. Hein. J'ai dû baisser la caméra pour lui dire c'est bon, tu peux avancer. Vas-y Jean-Claude, tu peux le faire. C'est ça. Ah putain, il reste des unités derrière. Ouais. En fait, on est en train de se faire défoncer. Non, enfin moi j'ai très clairement libéré mon... Ah non, mais les guerriers du chaos ne gagnent pas contre des Saurus de base sans bouclier. Ouais, c'est bon, c'est balèze les Saurus. Ouais, non, mais... Les Affrelances, ils ont passé toute leur vie contre des Skinks. Écoute, c'est une belle vie. Et les Affrelances, je leur ai demandé de monter à l'échelle, mais ils montent toujours pas à l'échelle, quoi. Ils vont faire le tour et passer par l'intérieur. Oh, punaise, ils vont me fatiguer. J'ai clairement cliqué en face de l'échelle, hein, mais ils ont décidé de ne pas passer par l'échelle. Bref. On ne dira rien. Ta cavalerie est au contact avec des cohortes ouais. Skink à Jablo. Je sais. Vos unités cachées sont découvertes. Où est-ce qu'elle a mis des unités? Ils ont toujours pas réussi les 10 bandes. Ah non, mais Xun Bâtard là, c'est pas moi, hein, c'est son nom. Hein. Il est. Il y a ton héros qui fait rien. Bah, je lui ai demandé de charger, hein, mais bon. Apparemment, c'est trop compliqué pour lui, quoi. J'avais demandé d'attaquer la corde de Skink à Javelot où il y a ton héros dedans. Ouais. Hein? Bim. Il reste une corde de Skink qui attend. Ouais. Je sais pas ce qu'elle fout. C'est un peu improbable ce combat. Ah oui, non, mais. D'ailleurs, mais après, on va dire encore que c'est moi, tu vois. Mais je crée des bugs, je crois. De quoi fallback? Qui est-ce qui fuit? D'accord. Alors, l'unité a quand même décidé de fuir quand les renforts arrivent. Moi, je trouve ça génial. Son unité de Skink, elle a juste disparu. Ah, peut-être qu'elle avait été invoquée. Ça y est, c'est gagné. Ok. Victoire à la Pyrrhus. Bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Quand l'ordi triche aussi. On est d'accord que là, il y a des trucs bizarres qui sont arrivés. Il y a des trucs un peu étranges. Putain, les ombres. Oh la vache. Ah, non, le positionnement que tu avais suggéré était tout à fait bon. Ouais, mais bon, quand t'as la tour qui tire et qui tue 25 mecs en un tir, bon. Que Morati, elle charge des cohorts de skin, qu'elle est même pas capable d'en tuer un. Bah, Morati, c'est pas une combattante, mais... Mais ça reste des skinks, hein. On a envie de dire, il y a un les moment... Les skinks, y a pire quand même comme unité de base, hein. Ouais, mais ça reste des skinks, c'est quand même un seigneur légendaire, hein. Ah. Avec l'arme spéciale, hein. Donc, et... arrivé à un moment, il faut arrêter... Et une monture. Bref. Le problème, c'est que... En fait, les grosses unités, quand elles se retrouvent contre au milieu d'une unité adverse, eh ben, elles peuvent prendre assez cher, même si ce n'est pas forcément des unités fortes. Ah non, mais que... Leur morale n'a même pas vacillé. Ouais, ils n'ont mais... pas perdu un mec et leur morale n'a même pas vacillé. Quoi. Je suis désolé. Je sais pas, mais... Tu prends une unité de Triste Lame... Et tu fais charger une
une enchanteresse bretonienne niveau 18 sur sa monture en plein milieu, ils vont quand même prendre un peu cher. Moi, j'en serais pas si sûr. Franchement, et puis le fait qu'elle soit niveau 18, ça change rien. Oui, non, mais... En termes de stats de combat, ton enchanteresse bretonienne, elle a que dalle. Hein. Elle a des sorts en plus, elle a des capacités sur la carte de combat, mais c'est tout. Hein. Bon, une idée, on a perdu plein de choses là, quand même. Un peu trop, mais bon, c'est pas grave. Bah alors, du coup, tu le prends ou tu prends pas? On va l'occuper, hein. Bah, il va falloir que tu régènes, c'est ça? Ouais. Bon, Moratti est morte. C'est bien. Enfin, elle est morte. Elle est blessée. Ouais. Ah, c'est pas rangé. Ça c'est vachement embêtant, ça. De quoi? Mais en fait, quand il te met la liste des héros, c'est pas rangé par type de héros. Hein. Tu sais, c'est pas rangé par sorcière, ouais, je vois. Guerrier, etc. C'est tout est mélangé. Permet les attaques empoisonnées. Non, ça ne sert à rien. Oh putain, la défense de merde. Ah, j'ai une mage qui est vicieuse. Et tous mes mages ont des trucs de combat de corps à corps. Moi, je trouve ça génial. Moins 40% pour les bâtiments du culte du Kane et du culte des plaisirs. Mais oui. Elle s'appelle Jadus. Il suffit juste de remplacer le D par un N et on est bon. Alors, choisis un nom de pouvoir qui améliore les compétences de combat de seigneur. Mais oui. Attaque plus 12, munitions plus 25, attaque empoisonnée. Attaque magique. Moi, je trouve ça bien, les attaques magiques. J'ai ton côté, c'est l'hormone, ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut recruter ici? Ah, de la cave. Pas très utile. Alors, il y a quoi, Exoalt? De la cave, c'est tout. Ok, mais tu vas me détruire la cave. Bon. Mazamundi, est-ce que tu es prêt à faire la paix? C'est ça la question. Alors, moi, je veux pas faire la paix. Hein. Je peux faire Et si je te rends Exoalt? Juste pour voir. Eh, ça pèse quand même pour 20 Exoalt si je lui rends. Ouais, pas mal. Après, c'est un peu sa capitale. Par contre, elle revient quand, Moratti? On le sait ou pas? C'est 5 tours de base. Ensuite, il y a des trucs qui permettent de diminuer ça, mais... les gargouilles, je monte en panne le coquillard. Ah, mais il n'y a que ça. Pfff, pfff, pfff. Ça, c'est nettement mieux. Mais il me faut encore 50 âmes. Oh, bon. Ah, y a plein de trucs qui se débloqueront dans 150 âmes. Mais il faut que je les sacrifie. Il faut que je les sacrifie. Maraudeur, j'en ai plus du tout. En fait, ça, c'est pas la peine que je le garde. Bon, lui, on verra ce qu'il va faire. Je m'en fous complète, ça. Le clan Mulder, ils sont où? Clan Mulder, c'est ceux qui sont à côté de Kislev. À côté d'eux? Kislev. Ah, bah donc, c'est bien, ça. Leur demander de l'argent. On va faire des packs de non-agression avec tout le monde. Attaque en met plus 10% pour les armes. Ouh. Le clan Féric, ils sont où? C'est bien ça, putain. Rôle de l'hiver. Alors ça, je sais pas, le clan Féric. Oh. Les vipères bleues. Putain, putain. C'est des orcs qui sont loin. J'ai plus de force. Hein.
Oui. C'est Donnez-moi fou. de l'argent. J'en ai Je fais des combien packs de non-agression qu'avec les gens loin de chez moi. Voilà. Comment là? récupérer 2000 balles? Donc, au final, on va arrêter ça. Et on va améliorer ça. Bien, normalement au prochain tour, je devrais avoir débloqué un autre truc. Parce que je pense qu'il va tenter de reprendre Exoalt quand même. Hein. Est-ce que tu penses que tu aurais besoin que je t'emmène une armée de ton côté? Parce qu'en fait, j'ai plein de thunes. En vrai, je pense que ouais. Parce que là, je suis emmerdé par. Tu vois, par exemple, ta Galak Le là. truc, c'est qu'elle va mettre 50 ans à arriver, hein. Ah oui. Mais En vrai, t'es où, toi? en vrai, je suis quand même vraiment au nord. Il faut que Bon, je ton armée, elle est traverse. où? Non, mais il faut, dans ce cas-là, si tu veux, il faudrait que je recrute une nouvelle armée et que je l'envoie chez toi, quoi. Donc ça, je peux le faire. Ah oui, elle va mettre longtemps à arriver. Oui, non En mais. effet. Ouais, je pense que ça peut être utile si t'as les moyens. Bah, j'ai 17 000 thunes, ce qui est plutôt correct avec un revenu de 5 000. Ah oui, d'accord. Bon, au prochain tour, ceci dit, je vais en avoir plein à dépenser parce que je vais avoir ma capitale qui va passer rang 4. Ouais. Donc ça va me coûter un peu cher. Mais Moi, celui qui m'ennuie là, c'est cet homme bête là. bah oui, tu m'étonnes. Alors, est-ce que je vais prendre plutôt un seigneur du chaos? Ah, et du coup, c'est un peu con que j'ai pas pris le don qui générait tout plein de niveaux en plus pour le chaos, pour les zéros. Au prochain tour, normalement, j'aurai ça. D'accessible. Rien d'intéressant dans l'immédiat. Alors, plutôt un sorcier. Ah, c'est vrai que j'ai perdu une unité de guerrier du chaos, cette histoire. Ben moi c'est bon. Eh ben, pas moi. Du coup. Ah. Coût de recrutement, moins 15%. Cool. Alors, je peux recruter plein de démonettes. Je peux recruter plein d'unités. Oui. Putain. Mais c'est tellement pété tout ça. De... Le nombre d'unités que je peux recruter d'un coup, quoi. Tu pars de rien et tu te fais en 2-2 une armée complète. Mais Ah, complète, c'est quoi. bien ça. C'est tellement abusé. Ah oui. Ah, j'étais en train de regarder l'armée de mon ami Skeven à côté là. Trois mitrailleuses Rattling et deux lance-feu. Bah, c'est bon ça. Bon, après, c'est que des esclaves. Hein. Uf, ça va coûter cher. Bon, je verrai plus tout à l'heure. Bon, j'ai déjà 12 unités. Avec mes régiments de renom que je peux recruter en plus. Allez. Fin de tour. Allez, du coup, j'ai des Si revenus vous qui sont passez là, les petits nettement moins abattus. élevés. D'accord. Yes, I am handsome, but we... Alliance défensive. Pff, ouf. Est-ce qu'il risque de se voir déclarer la guerre par d'autres? Il est déjà ivresse. Oui, il a déjà les elfes ou presque. Allez. Ouais, que j'aille lui prendre le. Enfin, que j'aille détruire le port des pillards et que j'aille lui prendre. Je me suis mis en alliance défensive avec Enkari. D'accord. Ah.
Mazamundi arrive sur Exoalt. Ah! Est-ce que ça pue un petit peu? Trotte. Ton accès militaire sans une, mais tu rigoles. Bon, après, on sera dans les murs. Pas de panique. Tu seras dans les murs, t'auras la garnison, et puis. Bah, c'est juste que du coup, t'as pas Momo. Ce qui est un peu con. Voilà. La garnison. Moi, je te rappelle quand même que quand t'es joueur, ta garnison, elle met 28 ans à se reconstituer. C'est pas faux. Ah. Et que l'ordi, lui, c'est quasi instantané. Mais du coup, c'est combien de tours, Momo, pour qu'elle revienne? Je sais pas, je l'ai pas vu. J'ai pas regardé. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Un accès militaire et 500 balles? Ouais, vas-y. T'es loin, de toute façon. Des fois, les mecs, ils te demandent un accès militaire, ils sont à l'autre bout du monde. Ah! Encore? Ah d'accord, oui. C'est à l'éclat de la lune qu'ils sont allés. Ouais. Et ouais. Voilà, ils auront pris toute la région. Et ton armée de défense Bah, elle est morte, elle est en train de se reconstituer, mais à deux unités par tour, tu veux faire quoi? Eh oui. Je peux rien faire, hein. À raison de deux unités par tour et que maintenant je peux recruter que des affrelances. On n'est pas sorti de l'auberge, hein. Et non. Bref. C'est quoi, il faut c'est que quoi, je... ça le rock machin. Raser ou mettez à sac. Ça peut être faisable. Sans trop de difficultés. Je vais aller. Ah mais lui il pourrait. Ah non mais il peut pas m'attaquer. Il est tout lent Mazamundi. Bon. Ah non. Il a 25% de portée de déplacement en moins. D'accord. Faire attention quand même à ça. D'accord, donc il faut vraiment que je paye pour que ça donne quelque chose. Non. Parce qu'en fait, je peux aller détruire le port des pillards, mais après je serai à sa portée. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne pense pas. Je pense en effet que ça n'est pas une bonne idée. Ouais, j'ai que 15 de copinage avec toi. Bon allez. C'est parti pour la grande traversée. Bah putain. Bim. Ouf. On peut laguer tout ça. J'ai mon ordi qui se met à souffler de temps en temps, ça me fait un peu peur. Niveau garnison, on a quoi dans Exoalt? Dis-moi tout. Moi tout. Bon, elles sont pas drôles, tes blagues, Elden. On a 3 tireurs et 7 corps à corps. Bon, qui n'ont pas de PV, hein, évidemment. Ça coûte combien ça? Hein? 7200. Putain, ça, maman. Ah, mais la Légion du Chaos. Elle veut bien me donner de l'argent. Pour 1820 balles, pour 1882 balles, un pack de non-agression, un accès militaire. Avec qui? Avec la Légion du Chaos. Bah enjoy, la hein. Légion des Ombres, pardon. Ah. Bah moi je dis oui. Donne ton argent. De toute façon, vous n'êtes pas des objectifs. Vous n'êtes pas encore des objectifs. Donnez-moi votre argent. Bien, bah mes constructions, c'est fait. Ok, la pointe du roc gris, c'est là. Alors qu'est-ce qu'on peut pas recruter ici? On peut recruter de la cave. Ah, c'est les ombres qu'on peut pas recruter. Et en diplo. Ça me paraît bien de regarder pour recruter des ombres. Ouais, Mulder. Ok. T'as fait de la diplomatie, je me suis téléporté chez toi. Oui.
Classique. Alors attends, comment on fait déjà pour regarder pour Momo? C'est recruter un seigneur, c'est ça? Il n'est pas noté le nombre de tours qu'elle est morte, enfin qu'elle est HS. Non, en fait, si tu veux voir ça, tu fais remplacer... 4 tours. Tu fais, voilà, tu fais remplacer le seigneur et tu vois combien de temps est-ce qu'il met. Non, non, là, bah, sur recruter, tu l'as aussi, mais c'est en rouge. Ouais. On t'arrête à faire de la diplomatie et à me téléporter chez toi, s'il te plaît? Oh putain, mais Nkari, il est vraiment, il est même en train de perdre, quoi. Quelle tristesse. Oh là là. Il a quoi? Il a un cristal de renaissance, je sais pas ce que c'est. Attends. Ça tire en tout cas. Tu tires ou tu pointes? Et il a une machine solaire. Mazamundi. Et lui, il est sur sa bestiole, mais je sais pas ce que c'est comme bestiole qu'il a. De qui que quoi? Mazamundi. Ouais, c'est un gros lézard. J'ai fini. Oui, oui. On avait remarqué. C'est un gros lézard. Ah d'accord, c'est un stégadon, mais il n'y a pas l'air de pouvoir tirer. Voilà. Bon, ils ont pas tant de tirs que ça. Si jamais ils nous attaquent, la capitale. Que je regarde où t'es. Mais il attaquera pas, on est d'accord. Il va attendre qu'on meure comme des cacas. S'il vient te... Ouais. S'il vient t'assiéger... Ouais. Il vient pas t'assiéger. Sinon, t'as toujours le classique « Je me mets en fufu juste devant ma ville hein. ». C'est toujours tellement bon. La petite, 45%. La petite embuscade en restant dans le périmètre, dans la petite forêt là au nord au nord-est. T'as 45%. Ah, c'est pas considéré comme de la... Ah oui, c'est de la prairie. Dommage. Drôle oui, c'est parce que j'étais en train de regarder ça. Drôle de gueule, leur prairie, mais... Ah, c'est des prairies hommes lézards, hein, tu sais. Ouais. Je cherche à comprendre. Ouais, c'est que de la prairie, quoi. Même quand il y a plein d'arbres. Et ouais. Écoute, bon, de toute façon, à mon avis, t'as encore un tour. Ah ouais, sauf que là, il est à moins 25. S'il change de... Ah, de mode, hein. S'il change de mode, effectivement... Après, son armée n'est pas pleine. Il est allé où? Là, il vient de défoncer Skegi. Je sais pas, moi j'ai un gros zoom sur Exoal, je peux pas bouger la caméra, donc... Ah, ça y est. Ah non, il a été au port des pillards. Bah oui. Il n'était déjà plus à Skegi. Non, non, mais il venait de Skegi, en fait. Oui, ouais. Oui. Il avait terminé de leur rouler dessus. Ah, mais je surveille où il est, pas où... pas ce qu'il a fait avant. Bon, a fait sinon, avant, t'as aussi l'option de battre en retraite, hein, si... Tu te barres, et puis tu rases la ville. Mais c'est presque un peu tard, maintenant, parce que là, en un tour, il peut la reprendre, et si tu t'en éloignes... Qu'est-ce qu'il veut, le flot de Kane? 600 balles? Tu me donnes 600 balles, mais oui. Donne-moi de l'argent. Non, mais c'est ce que je vais faire. Hein. Je crois que je vais la laisser tranquille et puis je vais remonter chez moi. Hein. Votre tour. Votre seigneur a été pris à passer des commandes secrètes auprès d'un forgeron de la cour. Eh ben, bravo. Alors, je peux poignarder le seigneur. Ah, j'adore les elfes noirs. Ouais. Je m'en fous. Franchement, j'ai autre chose à gérer que le fait que Jacqueline... Arrête de passer Jacqueline. Ah, pardon. Que Molissette passe des commandes. Ça y est, t'es assiégé. Ouais, je suis assiégé. Sur Arnheim. Arnheim, ouais. Allez, hop.
Juste voir un truc. La sortie, ça peut se tenter ou pas? Victoire à la Pyrrhus. Eh ben, je la fais pas en auto. Je la fais en auto. Hein. Tu m'étonnes. Les trois cigores, je les veux pas. Hein. Tu m'étonnes. Dégage. Et en plus, destruction totale de l'armée. Magnifique. Il reste plus qu'à reconquérir derrière. Ouais, mais on reconquérera tout à l'heure. Ah yes. Donc là, ah, il faut que je... Elle a pris 5 niveaux. Pas mal. Oh, finesse. Boum. Perte 73, putain. Ah non, mais je pense que juste les cigores, t'as 3 cigores dans l'armée en face, tu dis non, je la fais pas. J'aimerais bien choper un peu d'âme de temps en temps, parce qu'en fait, c'est quand même pas terrible, terrible. Pas plus là. Le nombre d'âmes récupérées. Hein. Bon. Alors, Arnheim, on peut construire Arnheim de niveau 3, ça me paraît être une bonne idée. Ne serait-ce que pour les féliciter pour... C'est ça, pour leur défense légendaire. Embarcadère des elfes noirs, plus d'argent. Moi, ça me paraît être une bonne idée. J'aime l'argent. Mazamundi. Tu ne veux... Ah, il veut un peu plus la paix. Mais après, les factions majeures... Factions majeures. Alors, toi, qu'est-ce qu'on peut faire de toi? Toi, il te manque 2 unités. On va pouvoir recruter des ombres bientôt. Est-ce que ce serait pas bien de recruter 2 ombres? Attends, on avait perdu un guerrier du chaos. Ouais. On est d'accord que les guerriers du chaos, c'est mieux que les ombres. C'est mais pas du si tout le même place... rôle. Oui, non, je sais. Et si à la place d'un sombre trait, on récupère une ombre, est-ce que c'est pas mieux? Si à la place d'un sombre trait, on récupère une ombre, c'est sans doute... oui, si, ça c'est mieux. Tiens, mais elle est bien ce qu'il me semble. Il y a ton fiston. De quoi, mon fils? Il y a ton fils qui est en train d'assiéger 40 quarts. Tu sais que... Alors, c'est mon fils, mais on a eu des relations un petit peu... oui, voilà, non, mais, bah, vous êtes pas que mon fils, quoi. Vous êtes elfe noir, quoi. Genre... Bah, c'est ça. Arrive un moment, il faut assumer, quoi. Tant qu'à nettoyer, autant faire briller. J'adore ces expressions. Ouais, bah, il n'y a plus qu'à reconquérir. Il y en a qui ont du mal. Hein. Ouais, non, mais j'ai du mal. Hein. Moi, je suis élevé depuis 3 heures du matin. Hein. Oh, détail. Franchement. Il y en a qui travaillent. Il y en a qui travaillent, voyez-vous. Pardon, il y en a qui sont profs. Excuse-moi. C'est ça. Il y a les gens qui travaillent pas et il y a les profs. Pas de gros mots, s'il te plaît. Ouh, toi, tu vas bientôt mourir. Donc, je vais. Ah, c'est presque con qu'Exoalt allait du positif. Merde. Parce que, étant donné que je suis à moins 9 d'ordre république par tour, ça aurait presque été bien qu'il y ait une rébellion à Exoalt. Comme ça, Mazamundi devait gérer une rébellion. Alors, qu'est-ce que je peux construire encore? T'as fini ton tour, toi. Hop, moi aussi. Oui, j'ai fini. De toute façon, Exoalt, il va la reprendre. Je pense pas qu'on aurait tenu longtemps. Hein. Je préfère retourner chez moi, re-renforcer l'armée de Morati. Ah, il est pas venu là, il est pas venu la prendre. Hein. Il s'est mis à côté. Est-ce que t'avais fait détruire les bâtiments? J'en ai détruit un, j'ai juste gardé la mine d'or. Ah, t'aurais dû tout détruire. J'aurais dû le détruire ouais. Quand je suis parti. Bah écoute, pas très grave. Hein. Voir, ouais, pendant ce temps-là, je récupère le pognon. Voir raser le... Carrément raser la cité, ça aurait été idéal. Bon, même si on sait que, comme c'est l'IA, il a un temps de... Pardon, une récupération de troupes de cochons. Ouais. Ça m'ennuie un peu. C'est toujours ce qui m'ennuie un peu dans les... Dans les Total War. Eh oui. Toujours un peu embêtant ça, en mode
J'ai des bonus parce que je suis l'ordi. D'accord. Bon, ensuite, si tu veux pas qu'il en ait, tu joues en normal. En fait, le seul... Tiens. Bah, on est en normal. Bah. Qu'est-ce qui m'emmerde, lui? La terreur des Détroits Noirs. C'était pirate, apparemment. Merde, alors. C'était pas vraiment prévu, ça. Oh, putain. Arthur, point était un pourrissant. Un colosse néphrocrophex. Bah, tiens... Oh, fais chier, je vais perdre l'armée que j'avais prévu de... Ah. Oh là là, fais chier. Putain, l'interface est tellement bien faite. Après, est-ce que t'as une chance de la gagner si on la fait à la main? Non, je pense pas. Non, ensuite, je peux lui... En fait, je réfléchis parce que je peux lui séduire des unités. Mais enfin, je peux lui séduire une unité. Parce que là ça, comme c'est la fin de l'épisode, à mon avis. Je peux la faire au prochain. Hein. Tant d'argent perdu. J'ai 4 démonettes. Non, il a. J'ai rien pour gérer. J'ai pas d'anti-large. Il a 2 canons. Il a. Ouais, non, j'ai rien pour gérer. Ça me paraît en effet mal barré. Chut. Oh là 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 là, bon bah, perdons des sous. Hop. Fuck you. Bon, la et loyauté ben, était retrouvée. Je propose en effet que nous arrêtions cet épisode sur cette défaite stupide. Mais bon, c'est ainsi. C'est ça. Chers amis, j'espère que quand même cet épisode vous aura plu. Nous, en tout cas, on vous aime. Et voilà. Vive l'amour. Vive les empires décadents. C'est allez, ça. Amusez-vous.